Alors, moi, c'est Santiago Carnevale Núñez, j'ai 17 ans. J'ai encore rien fait par rapport à mon permis, ni j'ai aucune idée de comment te conduire, je connais pas les codes routiers, rien. Et du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir au moins avoir les bases là déjà d'obtenir mon permis. Et là, pour l'instant, ça commence déjà assez bien. J'ai compris enfin, les signes routiers, je les ai plus ou moins compris ce matin. J'ai appris, enfin, je suis déjà allé dans une voiture. Et franchement, là pour l'instant, c'est pas mal. Ça se passe bien. Alors, avec ce cours, enfin, du coup, j'espère être prêt pour la théorie. Et après ça, être capable de conduire du coup avec mes parents. Je suis venu ici, je pensais que j'allais faire des dingueries, j'allais faire des accidents, mais franchement, là ça va, je me sens confiant. Et je pense que ça peut aller. Je pensais que j'allais être bien plus nul quand même. Du coup, ça va. Le premier jour, on dirait qu'on va rien pouvoir faire, mais après, ça vient vraiment assez rapidement. 4 jours, et là, on arrive déjà à avoir les petites bases. Du coup, c'est pas mal. Mon premier score était de 105 ou 108, ouais 108, et là bah, je l'ai augmenté de 42 du coup en 5 jours. Et le 108 en plus, c'est en ayant écouté la théorie de base, du coup, enfin, non, on prend hyper vite, c'est vraiment abusé. Pour le préparer, honnêtement, même pour commencer à conduire avec mes parents, là, enfin, j'avais hyper peur de conduire là au début, et là franchement, c'est tranquille, honnêtement, c'est vraiment tranquille.